problème, vous pensez que vous nous ne pouvons que déclarer que ce bon esprit de faire en sorte que cette. Tous les anges sa sainteté, l'univers et sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. Je vais juste citer un verset biblique. Nous continuons dans notre enseignement. Qui est béni par ces messages? Amen. Donc, continuez cet enseignement. Et je vous garantis, si vous prenez ces messages à cœur, beaucoup de portes vont s'ouvrir. Amen. Et le Seigneur va commencer à agir dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que vous bloquez ne sont pas des démons. Amen. Comme je disais tout à l'heure, vous devez vous rappeler de votre statut d'enfant de Dieu. Amen, amen. Un démon ne bloque pas les enfants de Dieu. Amen. Le pardon dans l'amour divin, c'est notre thème. Nous parlons du pardon. Et la plupart des gens ont les problèmes du pardon, n'arrivent pas à pardonner, amen. Ne veulent pas pardonner. Parce que pour pardonner, il faut aussi de la volonté. Ce que tu veux, tu peux. Amen. Alléluia. Amen. Il faut de la volonté pour pardonner. Tu vois vraiment la volonté de pardonner à quelqu'un. Et cela, quel que soit ce qu'il t'a fait. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons. Écoutez ce que la Bible dit. Amen. Soyez bons les uns avec les autres. Amen. Compatissants. Vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Donc la Bible veut nous dire, pour pardonner, tu dois être bon. Amen. Une mauvaise personne ne pardonne pas. Amen. Pour pardonner, il faut être compatissant. Amen. Si tu es compatissant dans ton cœur, peu importe ce qu'on te fera, tu arriveras à pardonner. Amen. Mes soeurs, mes frères, amen. Amen. Vous ne devez pas garder, frères et soeurs, quel genre de cœur que vous avez. De la rancune, de la vengeance, de la méchanceté dans votre cœur depuis des années. Vous allez sécher, vous allez tarir. Amen. Vous allez tourner en rond. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils viennent à l'église, ils dansent, ils chantent. Mais des années et des années, vous n'arrivez pas à pardonner. Amen, amen. Alléluia. Amen. Un chrétien pardonne. Amen. Si dans ton cœur, tu es bon et tu es compatissant, tu finiras par pardonner. Amen. Tu n'auras pas le choix de pardonner. Amen. Dieu nous demande de pardonner. Amen. Amen. Ma soeur, on t'a blessé. On t'a offensé. On t'a violenté. On t'a volé. Mais tu dois pardonner. Amen. Tu dois pardonner. Si tu veux voir ta vie bénie sur la terre, tu dois pardonner. Amen. En fait, pour un vrai enfant de Dieu, le pardon n'est pas une option. C'est une recommandation, voire une obligation. Quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas une option. C'est-à-dire, tu pardonnes si tu veux. Non. Pour un enfant de Dieu, le pardon, c'est une obligation, pas une option. Alléluia. Amen. Laissons acclamer le Seigneur. Amen. Vous ne pouvez pas pardonner si dans votre cœur, vous n'avez pas l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Pour pardonner à quelqu'un, il faut l'amour dans le cœur. L'amour de Dieu. Pas l'amour humain. Alléluia. Amen. Et souvent les chrétiens opèrent
au niveau de l'amour humain. C'est que vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'opère plus au niveau humain. Il faut l'amour de Dieu dans ton cœur. Et cet amour-là, frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut te donner. Amen. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu ne pourras pas aimer comme Dieu aime. Amen. Oh, Dieu nous demande d'aimer comme lui aime. La Bible dit clairement, nous pardonnons réciproquement comme Dieu nous a pardonné. Tu dois pardonner comme Dieu pardonne. Et aujourd'hui, la plupart des gens des églises n'ont pas Jésus dans leur cœur. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à pardonner. Parce qu'il y a que Jésus qui peut te donner cette grâce de pardonner. Il est dans votre cœur, l'amour de Dieu doit primer. Amen. Pas l'amour humain. Faire manger, boire avec quelqu'un n'est pas de l'amour. Amen. Et aujourd'hui, nous confondons l'affection et l'amour. Amen. L'affection, ce n'est pas de l'amour. Amen. Tu peux coucher avec une femme, un homme, sans l'aimer. Amen. L'amour de Dieu. Et parfois tu poses la question, mais c'est quoi l'amour? C'est comme tu poses la question, c'est qui est Dieu? Parce que Dieu est amour. Amen. L'amour n'est pas le caractère de Dieu, c'est sa nature. Amen. C'est pourquoi lorsque quelqu'un s'est converti, donne sa vie au Seigneur, amen, Dieu lui donne son amour. Amen. Il commence à aimer comme Dieu aime. Et il n'a pas le choix. Peu importe ce que tu feras, il va commencer à aimer comme tu aimes. Mais le problème aujourd'hui, la plupart des gens qui se revendiquent d'être chrétiens n'ont pas l'amour de leur cœur. C'est pourquoi nous avons le problème de pardon. Parce que le premier caractère de l'amour, c'est le pardon. Amen. Si vous aimez, vous allez pardonner. Si vous n'allez pas pardonner, parce que vous n'avez jamais aimé. Amen. Je vous garantis, frères et sœurs. Si vous aimez quelqu'un, vous pardonnez. Amen. Parce que le pardon et l'amour marchent ensemble. Amen. Amen. Si vous voyez quelqu'un pardonner parce qu'il aime, si vous voyez quelqu'un aimer, il finira par pardonner. Et c'est le problème aujourd'hui, mais ne cherchez pas des excuses. Pardonnez aux gens. Alléluia. Amen. Pardonnez aux gens. Pardonnez à ceux qui font du mal. Vos prières ne seront jamais exaucées. Dieu est un Dieu de pardon. Amen. Si vous ne pardonnez pas, frères et sœurs, vous allez tourner en rond dans votre vie. Certaines grâces ne viendront pas sur votre vie. Il y a des bénédictions qui vont vous échapper. Amen. Si vous ne pardonnez pas. De les mal qu'on vous a fait. Et oui, frères et sœurs, tant que nous serons sur la terre, alléluia, amen, les gens nous feront du mal. Il ne faut pas se voiler la face. Dans nos familles, au milieu de nos proches, dans l'église, les gens vont nous offenser. Amen. Mais nous devons les pardonner. Amen. Il y a des gens qui vont te blesser. Ils vont vraiment te blesser. Mais si l'amour de Dieu est dans notre cœur, nous finirons par pardonner. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit marcher dans l'esprit. Amen. Et non se lâcher. Amen. Les gens qui sont charnels, alléluia, amen, mon âme n'arrive pas à pardonner. Amen. Et la plupart des chrétiens sont conduits par la chair. Nous devons être conduits par l'esprit. Pour que nous arrivions à pardonner. Ma chère, mon frère, tu ne pardonnes pas, tu n'iras pas au ciel. Quelqu'un me dit amen. Tu n'iras pas au ciel. Tu ne pardonnes pas. Oh, le ciel n'est pas un endroit des gens qui se vengent, des rancuniers. Alléluia. Amen. Le ciel, c'est un lieu de paix. Amen. Et de joie. Amen. Si vous ne pardonnez pas, vous n'irez pas au ciel. Frère, c'est que peu importe les dons que tu as, peu importe la grâce que tu as, peu importe l'onction que tu as, si tu ne pardonnes pas, tu n'iras pas au ciel. Amen. Et si Jésus venait aujourd'hui enlever l'église, tu ne seras pas enlevé. Amen. Alléluia. Amen. Il est important de pardonner. Et pardonner, c'est quoi pardonner?
Laissez Dieu vous toucher votre cœur. Laissez le Seigneur agir dans votre âme. Ma soeur, pardonner, c'est refuser, c'est venger. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Dieu nous demande de ne pas s'évanger? La vengeance, c'est la punition de Dieu. Amen. C'est à Dieu de s'évanger. Par un être humain. Amen. Même si tu as des raisons valables, un être humain ne doit pas se venger de notre être humain. Amen. Il y a que Dieu qui peut se venger. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi ce matin. La vengeance est la rétribution du Seigneur. Pourquoi Dieu seul peut se venger? Parce que seul Dieu n'est pas fait. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous ici des hommes pas faits. C'est pourquoi il faut la parole, il faut la grâce pour que nous tendons vers la perfection. Amen. Mais en tendant, nous sommes tous imparfaits. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, si un homme imparfait se venge, il va le faire avec méchanceté, avec violence. Mais Dieu, qui est parfait, qui est de l'amour, même quand il est vivant, il le fait avec amour. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dieu, même quand Dieu se venge, il le fait avec amour. Il le fait avec amour. Mais si notre humain se venge, il le fait avec méchanceté et violence. C'est pourquoi vous ne devez pas vous venger. Amen. Alléluia. Amen. Aucune raison tu ne te venges. Dieu interdit la vengeance. Parce que pour l'homme, alléluia, amen, le mal doit être payé par les mal. Bien-aimés, si vous rencontrez un homme et une femme, alléluia, amen, que tu as fait du mal et que se venge pas de toi, c'est qui connaît Dieu. Amen. La première manifestation du Saint-Esprit, ce ne sont pas les miracles. Amen. Ce ne sont pas la délivrance des guérisons. C'est l'amour. Amen. Quand quelqu'un est sauvé et que l'Esprit de Dieu vient dans sa vie, le Saint-Esprit nous communique son amour. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un bien aimé peut faire des miracles. Parlez en langue sans avoir l'amour dans son cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans leur cœur n'ont pas d'amour. C'est pourquoi, quand il fait du mal à quelqu'un, vous sentez qu'il est content. Alléluia. Amen. Mais quand tu es le Saint-Esprit, quand tu fais du mal à quelqu'un, dans ton cœur, tu sens que tu es triste. Amen. Tu n'es pas à l'aise. C'est la tristesse de mon Dieu. Amen. Dans ton coin, tu regrettes. Amen. Pourquoi je l'ai fait ça? C'est que tu as le Saint-Esprit. Amen. Mais quelqu'un qui fait la fête, qui sort, qui est content, alors qu'il fait du mal aux autres, il n'a pas Dieu dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est ça la différence, mes amis. C'est ça la différence entre Jésus et le prophète. Les prophètes condamnent. Les gens condamnent. Mais Jésus pardonne. Amen. Et quels que soient les péchés que tu as commis. Amen. Vous ne devez pas vous venger. Et le pardon, c'est le refus de s'évanger. Le pardon, bien aimé, c'est oublier les offenses. Alléluia. Ça, bien aimé, quand tu arrives à cette dimension-là, amen, tu commences à opérer à la dimension divine. Amen. Oui, c'est possible, ma soeur, mon frère, d'oublier les offenses. Amen. C'est possible. Ça, c'est la dimension divine. Ou quelqu'un t'a fait du mal, mais tu as oublié les mal qu'il avait. Et beaucoup de chrétiens n'opèrent pas cette dimension. Et pourtant, nous devons opérer cette dimension. Pardonner, bien aimé, c'est accorder une grâce à quelqu'un. Refuser de punir. Amen. Alors que tu as l'occasion, tu as l'opportunité de punir quelqu'un. Mais parce que dans ton cœur, il y a l'amour de Dieu. Yes. Tu refuses de punir. Amen. Les gens qui sont autour de toi vont se dire, mais frère, toi aussi, parce que toi aussi, dis non, je ne punis pas. Alléluia. Amen. Pardonner, ce n'est pas rendre les mal pour les mal. Et beaucoup de chrétiens opèrent à ce niveau-là où tu fais du mal, il te fait du mal. Un vrai enfant, mais tu es vrai. N'opère pas cette dimension-là. Alléluia. Amen. Vous devez aller pardonner, frères et sœurs, aux gens qui vous ont offensé. Amen. Ils vous ont trompé. Ils vous
Alléluia. Amen. Je verrai l'église, frère et soeur, quel genre de quelqu'un aujourd'hui. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonne pas vos offenses aussi. C'est pourquoi vous priez, vos prières ne sont pas exaucées. Bien aimé, tu accordes ton pardon à quelqu'un, tu t'accordes son pardon. Amen. Dis-moi amen. Maintenant, tu ne fais pas accorder ton pardon à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu veux que tu te pardonnes? Accorder aux gens le pardon, Dieu t'accorde son pardon. Bien aimé, beaucoup de chrétiens prient. C'est pourquoi vous voyez, les gens vont des coches à droite, ils cherchent des prophètes, des pasteurs prient pour eux. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Amen. Tu n'as plus besoin de prophètes dans ta vie. Amen. Tu as besoin de Jésus. Amen. Amen. Tu vas dans ta chambre, tu mets Jésus, tu te joues par terre, tu pries et tu t'écoutes. Amen. Pourquoi les gens courent de gauche à droite? Parce que les gens sont conscients, alléluia, amen, par rapport aux fardeaux qui sont dans leur cœur. Si je prie, il ne coûtera pas. Les gens sont conscients. Alléluia. Amen. 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 Et les gens qui sont vraiment sincères. C'est pourquoi ils préfèrent, frère, prie pour moi. Frère, viens, on va se soucier de la prière. Parce que les gens pensent, si toi, quatre, cinq personnes prient, Dieu doit écouter. Toi seul, Dieu peut t'écouter. Amen. Mais les gens sont sincères que si lui prie, Dieu ne coûtera pas. Et il faut chercher quelqu'un pour prier pour lui. On fonctionne comme dans l'ancienne alliance, même si on est dans la nouvelle alliance. Où le voile était déchiré. Tu rentres dans sa présence, tu t'écoutes. Dis-moi amen. Amen. Allez, pardonnez, frères et sœurs. Refusez de punir les gens. Soyez intelligents. Amen. Alléluia. Où est le moment où tu dis non, je laisse tomber? C'est fait que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Il a fait une erreur. Mais moi aussi, un jour, je peux faire une erreur. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez que je vous pardonne, alors que vous ne voulez pas pardonner aux gens. Amen. Et vous pouvez, frère, ma soeur, écoute-moi, tu ne peux pas prospérer avec les rancunes dans le cœur. Jamais. Tu ne pourras jamais avancer dans aucun domaine. Tu vas tourner en rond. Jusqu'à ce que tu parles aux gens. Amen. Et beaucoup de gens sont comme ça. Délivrance sur délivrance. Jeune sur jeune. Et ta vie ne change pas. Tu ne comprends pas. Pardonne à ton père. Amen, amen. Alléluia. Pardonne à ton père. Bien aimé, je vous garantis. Beaucoup d'entre nous ici, si Dieu nous donnait la permission de changer de père, on va changer mon pays. Amen. Mais on choisit ses amis, on ne choisit pas son pays. Amen. Ton père est ton pays. Amen. Nous avons été élevés parfois par des pères qui sont méchants, qui sont violents. Mais c'est ton père. Amen. Aujourd'hui, tu ne veux même pas l'aider. Tu ne veux pas le parler. Tu le méprises. Alors qu'un père, c'est un repère. Amen. Pardonnez à vos amis. Pardonnez à vos maris, à vos femmes. Amen. Comment un couple peut prospérer si elle a rancune à l'intérieur? Amen. Alléluia. Amen. Les gens se parlent, mais dans le cœur, il y a la rancune. Amen. Bien aimé, le pardon, ce n'est pas simplement verbal. Le pardon, c'est une action aussi. Amen. Certaines actions, bien aimé, tu commences à les poser. La personne est consciente que tu l'as pardonné. Amen. Il est malade, tu vas le voir à l'hôpital. Il a faim, tu donnes à manger. Amen. Il est nu, tu à vêtir. Cette personne va comprendre, non, il ne m'a pas pardonné. Amen. Parce qu'il vit ce que je lui ai fait. Venez me voir à l'hôpital alors que je suis malade, c'est qu'il m'a pardonné. Amen. Parce que le pardon, c'est l'action. Yes, yes. Parce qu'il y a des gens qui pardonnent avec la bouche, mais pas avec le cœur. Dis-moi amen. Amen. Tu m'as encore amen. Amen. Tu m'amènes très fort. Avec les actions. Yes. Les actions qu'on pose. Yes. La personne est consciente. S'il m'a fait ça, s'il m'a dit ça, c'est pour cet acte, c'est qu'il fait même pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça les pas. Et Jésus a dit, quand on lui a posé la question, Seigneur, combien de fois me vont pardonner? Alléluia. Amen. Ce matin, je vais te dire encore quelqu'un. Soyez humble.
Les gens sont trop orgueilleux. Oh, je bénis Dieu. C'est pourquoi Dieu garde le cœur. C'est une personne, quand tu vois extérieurement, tu penses qu'il est un frère, ma soeur, ne juge pas les gens extérieurement. Vous allez être déçus. Un homme, une femme, ne juge jamais extérieurement. Les gens sont hypocrites. Amen. Alléluia. Très hypocrites. Amen. C'est le problème. Et je pose la question à Jésus. Jésus l'a dit clairement. Si quelqu'un pêche contre toi, sept fois dans la journée, qui vient te voir sept fois, il ne serait pas sept fois du pardon. Alléluia. Amen. Et les disciples n'étaient pas les hypocrites. Quand ils ont entendu cette parole, le Seigneur augmente la foi. Amen. Ils n'étaient pas hypocrites. Mais quand il y a des gens qui disent, oh, cette fois, c'est pas beaucoup cette fois. Ah, même 10 fois, je pardonnerai, alors la vérité, il ne va pas pardonner. Mais quand les disciples écoutent, parle au Seigneur, quelqu'un me veut voir une fois, deux fois, trois fois dans la journée, pardonne cette fois, alors il faut augmenter la foi. Amen. Parce qu'il savait que c'est difficile. Amen. Oui, le pardon est difficile. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs, la preuve, les gens n'arrivent pas à pardonner. Mais le pardon n'est pas impossible. Amen. 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 Il faut pardonner, frères et sœurs, il faut pardonner. Mais regardez les chrétiens, regardez les excuses. Comment je vais le pardonner? Il ne sait pas s'excuser. Quand Jésus mourait sur la croix, qui lui a demandé l'excuse? Il est allé sur le terrain de la parole de Dieu. Sur la terre, votre vie sera bénie. N'allez pas sur le terrain de la chair. Amen. Les gens sont orgueilleux. Bien-aimé, oui, écoutez mon conseil. Ne regardez jamais l'apparence. Les gens sont dans les maquillages. Amen. Sont dans les maquillages. Amen. La plupart des gens ne sont pas vrais. Dis-moi même. Ils ne sont pas vrais. La plupart des gens. Amen. Les gens sont trop fiers. Amen. Mais il est maquillé. Amen. Parce qu'en fait, personne ne voudra que ça va qualifier. Les gens ont la fausse humilité. Fausse humilité, faux, archi faux. Ils sont faussement humbles. Les gens sont orgueilleux. La plupart des gens, alléluia, ils ne montrent pas leur caractère. C'est pourquoi il faut beaucoup de temps pour connaître quelqu'un. Tu veux connaître quelqu'un? Prends ton temps. Les temps, c'est vraiment important. Tu veux connaître un homme? Tu veux te marier? Tu veux te marier avec une femme? Prends ton temps. Amen. Les temps vont révéler cette personne. Amen. Parce que souvent on ne trompe pas les temps. Amen. Et tu veux voir la main de sous ta vie. Tu veux voir la grâce de mon Père sous ta vie. Alors ne t'en prie pas pardonner. Il ne m'a pas demandé d'excuses. Pourquoi tu fais des excuses? Amen. Amen. Il n'a pas avoué sa faute. Mais pourquoi tu vois, qu'il voit ta faute? Si tu sais que tu as fait du mal, tu pardonnes. Quand Jésus a dit sur la croix, Père, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Tu as avoué la faute. Tout ça, des excuses pour ne pas pardonner. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Amen. Il y a des gens qui sont impurs de même. Alléluia. Amen. Ils font la gentillesse dans les naturels, mais à l'intérêt sont fiers, orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il faut que les gens nous offensent. Il faut que les gens nous fassent du mal. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va révéler ta capacité de pardon. Si une personne n'a jamais rien fait, si tu ne sauras pas que tu fais pardon, il faut qu'un jour quelqu'un te blesse, te fait du mal pour révéler ta capacité de pardon. Amen. Amen. Vous perdez. Quand vous pardonnez pas quelqu'un, vous perdez. Ôtez les manteaux de la fierté. Ôtez les manteaux de l'orgueil. Pardonnez à ces gens-là. Non, je vais pardonner. Mais je suis prudent maintenant. C'est pas ce que la Bible dit. Ça, c'est ta philosophie. Amen. Ah, je l'ai pardonné, mais je ne peux plus voir. Ça, c'est ta philosophie. Ah, je l'ai pardonné, il faut faire attention maintenant. C'est ta philosophie, c'est pas ce qu'elle me dit.
Jésus a dit, quelqu'un te fait du mal pendant 7 fois de la journée, il se répand. Tu lui pardonnes pendant 7 fois. Amen. Il voulait simplement dire qu'il faut pardonner à l'infini. Amen. Frères et sœurs, il faut tout pardonner. Il faut un pardon parfait. Amen. Alléluia. Amen. Un pardon total. Certains d'entre vous, bien aimés, vous êtes victimes des démons. Parce que les démons aiment là où est la rancune. Amen. Alléluia. Amen. Les démons aiment là où est le manque de pardon. Là où est la méchanceté, c'est là où les démons aiment. Veuillez pardonner, frère. Veuillez pardonner. Et les pardons sur le monde, c'est quoi les pardons sur le monde? Alléluia. Amen. Vous êtes là. Amen. C'est là le monde. C'est vos frères. Si vous voulez voir la gloire que vous avez oubliée, marchez sur la parole. Selon le monde, le pardon c'est une faiblesse. Selon Dieu, le pardon c'est une force. Amen. En fait, quand tu pardonnes aux gens, les gens pensent que tu es faible. Quand tu fais les premiers pas, les gens pensent que tu es faible. Mais devant Dieu, celui qui fait les premiers pas, celui qui est plus grand devant Dieu. C'est pourquoi quand l'homme a péché, c'est Dieu qui a fait les premiers pas. Adam, Adam, où tu es? Ils ont dit, nous avons mangé les fruits. Mais où tu es né? On se cache parce qu'on est nu. Je dis, mais qui vous a pris le nez? C'est Dieu qui a pris les feuilles des figuiers, qui les a couverts de nudité. C'est le même Dieu qui a tué un animal. Pour les vêtements des bons animaux. C'est Dieu qui a fait la première démarche. Yes. Frère et soeur, tu étais perdu. Amen. Là où tu étais, c'est Dieu qui est venu faire toi. Yes. Pour te sauver. Amen. C'est pour la Bible déclare, il nous a connu d'avance. C'est lui qui nous a aimés les premiers avant qu'il puisse les aimer. Mais selon le monde, alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère et soeur, ne vivez pas votre vie chrétienne selon le standard du monde. Amen. Selon le standard de la parole. Amen. Parce que selon le monde, pardonner, c'est une faiblesse. Oui. Quand tu pardonnes tout le temps, tu es faible. Oui. Quand une femme pardonne à son mari, cette femme-là est faible. Quand un mari pardonne à sa femme, cet homme-là est faible. Non. Mais pardonner pas une faiblesse, c'est une force. Amen. En fait, bien aimé, vous savez, quand vous pardonnez, c'est un message que vous envoyez à Dieu. Oui. Seigneur, je pardonne. Maintenant, toi, occupe ton ennemi. Et quand vous ne voulez pas pardonner, vous empêchez la main des naturels. C'est pourquoi Dieu ne s'occupe pas de vos ennemis. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez tous les bien-aimés, les secrets, écoutez-moi. Quelqu'un fait du mal, bénis-le. Amen. C'est plus dangereux que les haïs. C'est pourquoi Dieu ne s'occupe pas de vos ennemis. Parce que vous-même vous occupez d'eux. Laissez vos ennemis entre les médecins. Bénissez-le. Pardonnez-le. La Bible dit, ce sont des charbons ardents. Et comme vous-même, vous vous occupez de vos ennemis. Alléluia. Amen. Tu établis ton plan. Mm. Tu as ta philosophie. S'il est là, moi je ne viendrai pas. Il va prospérer. C'est pourquoi vous dites que non, Dieu est juste. Seigneur, quelqu'un m'a fait du mal, il prospère. Mais oui, il va prospérer. Parce que pendant que toi tu l'es haï, tu l'aimes encore. Amen. Et tu me dis amen. Amen. Si vous voulez voir bien un ennemi, vous voulez voir l'ennemi chuter. Bénissez-le. Pardonnez-le. Mais si vous ne les pardonnez pas, vous avez la rancune dans le cœur, dans votre cœur contre eux. Alléluia. Amen. Devant vos yeux. Alléluia. Amen. Devant vos yeux. Dieu les fera prospérer. Amen. Oh Dieu est injuste. Ce qui m'a fait. Mais j'ai entendu qu'il a eu ceci. J'ai entendu qu'il a eu ceci. Alors qu'il m'a fait comme ça. Est-ce que Dieu ne voit pas ce qu'il m'a fait? Si Dieu voit. Mais ton problème, parce que tu prends la place de Dieu. Amen. Si vous laissez frères et sœurs, Dieu s'occupe de vos ennemis, je vous garantis. Il vient de vous chercher. Amen. Et le problème, vous-même, vous occupez d'eux. Pourquoi? Parce que vous pensez que pardonner, c'est la faiblesse. Non, cette sœur-là, ce frère-là, il est moins âgé que moi, il est plus âgé que moi. Moi, allez le voir, je suis plus de voiture que lui, je puis. C'est pourquoi vous n'avez pas pardonné. Et vous pensez, si vous savez, c'est la faiblesse. Mais allez demander pardon et de bien-aimer, c'est de la gloire. Alléluia. C'est de l'élévation. Devant les hommes, tu es petit, devant Dieu, tu es grand.
sœur. Quand les gens te feront demander pardon, les gens vont dire non, mais frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais comme ça? Mais Dieu va te dire, regarde-moi, c'est ma servante, c'est mon serviteur. Amen. Alors tu donnes la passe à non. Yes, alléluia. C'est moi qui vais manger la parole. Mm-hmm. Maintenant, toi, pour qui me donner. Amen. Amen, amen. Je vous garantis, bien aimé, si Dieu commence à quitter tes affaires, si Dieu réagit contre toi, il faut faire attention. Mais pardon n'est pas une faiblesse. Amen. Amen. Selon le monde, le pardon, c'est l'hypocrisie. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il veut vraiment pardonner? Un chrétien ne pardonne pas simplement avec sa bouche, avec son cœur. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu envoie un message, quand Dieu vous parle, parce qu'il veut vous bénir. Amen. C'est pourquoi il veut déployer les chemins. Amen. Amen. Si vous gardez de la méchanceté dans votre cœur, de la rancune dans votre cœur, de la vengeance, alléluia. Amen. Vous n'allez pas aller loin. Amen. Il faut pardonner à ces gens-là. Il faut vraiment les pardonner. La preuve, tu souffres. Je vous garantis, quelqu'un qui ne pardonne pas souffre. Tu souffres plus que celui qui t'a fait du mal. Amen. Ton cœur est fermé. Ton ciel ouvert. Tu es déconnecté de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas les prier. Parce que ta conscience t'accuse. Si je prie, Dieu n'écoute pas. Si vous ne pardonnez pas. Ne cherchez pas des excuses, frères et sœurs. Ne cherchez pas des excuses. Ne cherchez pas des raisons. Parce que quelles sont des raisons partout. Non, tu vois ce qu'il m'a fait. Mais il m'a demandé pardon. Quand il a fait de tout ça. Pardonnez. Alignez-vous sur la parole de Dieu. Alignez-vous sur la parole. Jésus n'a pas posé la condition. Sur la foi des pères, tout ce qu'ils ont fait là, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Pardonne-leur. Mais toi, tu poses la condition. Tu fais quelqu'un qui vient et s'agenouille. Tu n'attends qu'une personne vienne. C'est pourquoi ta vie est bloquée. Frère, je vous garantis. Alléluia. Amen. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Amen. Il y a certaines personnes. Le mal qu'ils sont en train de vous faire, en fait, pour votre vie, sont des plateformes. Amen. Que Dieu va se servir pour vous aider. Amen. Joseph a dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu va changer le mal. Amen. 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 Il y a certaines personnes, le mal qu'ils vous font, c'est dans les plans de Dieu. Amen. La croix était le plan de Dieu pour Jésus. Amen. Et ce n'est pas dans la croix, vous ne serez pas sauvé. Il faut être profond, frère et soeur. J'ai le tourner rond. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais tu n'es pas le seul, frère et soeur. Tant que tu es humain, tant que tu vis dans le monde des humains, alléluia, amen, on te fera du mal. Amen, 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 amen. Le problème, simplement, nous sommes dans le monde des humains, mais beaucoup de gens vivent dans le monde des rêves. Amen. Amen. Dans la famille, les gens font du mal. Des fausses accusations vont arriver partout. Amen. Il n'y a rien qui fait du mal à quelqu'un sur les fausses accusations. Amen. On va t'accuser de gauche à droite, que tu es ceci, que tu es cela, que tu es ceci, alors que tu n'as jamais fait. Ça presse ton cœur. Alléluia. Amen. Et quand ça arrive à tes oreilles, il se met pardonné. Tout le monde peut commencer à te condamner, à te rejeter pour des choses que tu n'as jamais fait. Oui, frères et sœurs, amen. Amen. Elle m'a donné supporter l'injustice. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Supporter l'injustice. Amen. Parce que c'est une gloire, la Bible dit. Supporter l'injustice. Mais pour vous voulez toujours la justice. Vous voulez toujours être acclamé, être applaudi, être élevé. Parfois dans votre vie, alléluia, supportez l'injustice. Amen. C'est une gloire à Dieu déclare. Tu es conscient dans ton cœur. Tout le monde en signe. C'est lui qui a fait, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a dit. Mais toi, tu sais que ce n'est pas toi. Tu veux commencer à t'expliquer. Les gens ne sont pas d'accord.
En fait, quand tu parles, il dit tu mens alors que tu l'as dit. Parfois, tu es meurtri dans le cœur. Tu ne sais plus quoi faire. Je vais expliquer. Je n'ai pas fait ça. Je n'étais pas là. Ce n'est pas moi. Personne ne veut te croire. Supportez ça. Et comme la vérité, alléluia, je ne change jamais un mensonge. Un mensonge ne fait jamais une vérité. Amen. Un jour, tu te feras justice. Les gens vont commencer à comprendre. Je t'ai haï pour rien. Je t'ai haï pour rien. Avec le temps, j'ai compris. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Il faut pardonner. Alléluia. Il y a cette force, cette capacité de pardonner. Frère, le monde est méchant. Amen. C'est pour donner votre vie à Jésus. Ce monde-là est méchant. C'est pour vous voyez beaucoup de gens. Il est dans la solitude. Il n'appelle plus personne. Il y a des gens même qui n'ont plus de téléphone. Il ne voit plus personne. Il ne parle plus nulle part. Que ce soit deuil, que ce soit mariage, tu ne le verras plus jamais. Il s'est renfermé. C'est mon méchant, frère. C'est mon méchant. C'est mon méchant. Si tu ne changes pas ton cœur, tu vas haïr tout le monde. Amen. Je vous garantis, tu vas haïr tout le monde. Si tu ne changes pas ton cœur. Si Jésus ne vient pas dans ton cœur, tu vas haïr tout. Le monde est méchant, frère. Là où les gens veulent te faire du bien, ils te feront du mal. C'est mon méchant. Très méchant. C'est mon jaloux. C'est pourquoi vous voilà, bien aimé, moi, je sais. Dans ce monde, bien aimé, les gens ne sont pas contents de voir des gens reçus. Je vous garantis. Il faut marcher avec Dieu, frère et soeur. Alléluia. Marcher avec le Seigneur. Parce que tous ces gens qui vous entourent, vous ne connaissez pas leur cœur. Pendant qu'ils prospèrent, ils sont jaloux. Pendant qu'ils prospèrent, ils font des contre-prières. Et si tu es avec toi, qui sera contre toi? Et là, Jésus est venu sous la terre. Il les a donné du pain. Ils ont mangé. Il a multiplié les poissons. Ils ont mangé. Il a resté leur mort. Il a guéri leur maladie. Les gens couraient partout. Parce qu'un frère, une soeur, un cousin était malade. Et Jésus a tous guéri. Alléluia. Amen. Mais les jours où ils doivent témoigner, bien-aimés, vous voyez la plupart des personnes, bien-aimées, souvent, qui font du bien, c'est eux qui font du mal. C'est pourquoi les cœurs sont brisés. Bien-aimés, quand quelqu'un t'a fait du mal, tu fais du mal. Ton cœur n'est pas touché. Pourquoi nos cœurs sont brisés? Parce que la plupart des gens à qui on a fait du bien, c'est eux qui nous font du mal. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Comment il peut me faire ça? Ah non, pas lui. Ah non, pas elle. Non, pas elle. Tu commences à pleurer. Mais si lui me fait ça, si elle me fait ça, mais je suis foutu. Non, je pense à tout le monde, mais sauf lui. Mais c'est lui qui t'a fait. Amen. Pilate a demandé à Jésus, a demandé pardon au peuple. Dans notre coutume, on doit libérer un voleur, un brigand de la prison. Maintenant, je pose la question, qui vous voulez que je libère aujourd'hui? Est-ce que c'est Jésus ou Barabbas? Bien aimé. C'est pourquoi un homme sans Dieu, c'est un animal. Pardonnez-moi l'éternel. Un homme sans Dieu, c'est un animal. Et la Bible appelle cet homme-là homme animal. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Recevez le Seigneur. Amen. Ils ont vu les miracles, frères et sœurs. Ils ont vu comment Jésus a guéri leurs frères, leurs parents. Il les a donné du pain. Mais on leur pose la question. Qui voulait que je libère? Il pouvait se dire non, libère-nous Jésus. Parce que si un jour il n'y a pas du pain, au moins lui va m'occuper le pain. Mais ils ont dit, libérez Barabbas. Et Pilate a dit, maintenant, qu'est-ce que je ferai de Jésus? Il crucifie. Il faut
faut Jésus dans le cœur, frère. Sinon, vous allez briser votre cœur. Vous serez méchant. Vous serez amer. Tu ne veux plus voir personne. Dans la solitude. Parce que ton cœur est brisé. Son propre disciple bien les réunit. On dit, tu connais cet homme-là. Pierre, avec un, la Bible était avec une précaution. Elle dit, cet homme-là, je ne l'ai jamais connu. C'est pour ça, frère, ma soeur, alléluia. Amen. Aimez les gens. Amen. Écoutez-moi, aimez les gens. Amen. Mais ne vous confiez pas aux gens. Amen. Il faut Amen. Aimer les gens. Amen. Mais ne vous confiez pas aux gens. Amen. Jésus regarde Pierre. Elle dit non. Trois fois. Elle dit non, je ne le connais pas. Non, on t'a fui avec lui. Mais qui? Vous me parlez de qui? Très souvent, quand il traverse à l'église, c'est là où les gens nous abandonnent. Amen. C'est pourquoi ça fait mal. Mais tu dois pardonner. Amen. Tu ne te venges pas. Affaire, moi je souffrais. En plein hiver. En plein hiver. Bien dit, oui, je vous garantis. Et le cœur d'un homme sans Dieu est mauvais. Amen, amen, amen. Il ne va pas te chasser de l'appartement à l'été. Tu ne fais pas ça l'été. Et si en été tu iras à la garde, il va dormir là-bas. En été, tu peux aller quelque part dormir. Il va te chasser en hiver. Il parle de quelle température. Il sait bien que non, demain sera moins 10. Prends ta valise et sors. Frère, je vais aller. Un frère m'a donné pour son témoignage. J'ai pitié de lui. Bien aimé, la Bible dit dans Proverbe 17:13. Celui qui fait le mal ne quittera jamais sa maison. Jamais dit bonjour. Vous ne savez pas comment tu vas détruire la vie de quelqu'un. Détruire la vie de quelqu'un. Son oncle a chassé de la maison en hiver. Il fait froid. Il venait d'arriver, il ne connaît pas le pays. Parce que je ne connais pas les pays, je ne connais pas. Mais quand vous savez, les femmes pleurent pour rien. Amen. Amen. Les femmes, même si elles pleurent. C'est la nature des femmes. Même quand elles sont contentes, elles pleurent quand même. Amen. Quand elles sont dans la joie, elles pleurent quand même. Mais même quand elles sont dans des problèmes, elles pleurent quand même. Mais quand vous voyez un homme pleurer, c'est sérieux. Amen. Je vous garantis. Même si c'est des hommes qui peuvent pleurer. Mais très souvent, les hommes ne pleurent pas facilement. Quand vous voyez un homme sangloter, c'est que c'est sérieux. Amen. Et je suis ses frères sangloter. Mais dis-moi, ça, on est chasse en plein hiver. Je viens d'arriver à toi, moi. Je ne connais pas les pays. Où je vais aller? Il fait boire un café. Un homme, il parle à un homme, il dit, je ne sais pas où dormir. Cet homme dit, moi, je suis mon appartement. Si tu veux, tu viens dormir chez moi. Elle dit, ah, ça c'est une chance. Et cet homme-là l'amène chez lui à la maison. Mais ne faites pas du mal aux gens. S'il vous plaît. Frère, enfant de Dieu. La nuit dort. Cet homme vient à sa chambre et le réveille. Avec un revolver. Mais si je ne couche pas avec toi, je te tue. Il dit, pasteur, je ne l'ai jamais imaginé dans ma vie coucher avec un homme. Jamais. Je l'ai fait. J'avais peur de la mort. Il était sérieux. Il va avoir le cœur, frère. Moi, je ne comprends pas comment tu fais du mal à quelqu'un. Tu, la nuit, tu ronfles. Moi, je comprends pas. Tu es loin de Dieu. Amen. Tu viens, tu manges. Et tu sais pas, mais cet homme-là, il est parti. Il avait qui? Comment il vit? Comment il mange? Et toi, tu manges, tu dors. Tu es un enchant de Dieu. Un être normal. Il n'y a pas rien comme ça. Vous imaginez cet homme comme ça? Si Jésus ne vient pas dans sa vie, il ne va pas prospérer.
Il ne veut pas avancer. Pourquoi? Parce que la haine va, va remplir son cœur. Il va haïr plus que lui-même haïr. Il faut pardonner aux gens, frères et sœurs. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Moi, rien ne m'étonne. Moi, plus rien ne m'étonne. Je suis quelque part, je me fais du mal. Je dis, c'est normal, je ne suis pas chez moi ici. Un jour, je vais chez moi. Amen. Tout ça se passe à l'été. Banaliser les choses. Amen. Banaliser les choses. C'est que tu finis là, mon frère, parce que je parle à quelqu'un ici. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Banaliser les choses. Sinon, les problèmes, tu vas briser ton avenir. Ben, frères et sœurs, quelqu'un dans ton cœur est fermé, plein de rancune et haine. Dieu n'approche pas. Amen. Et certaines personnes bien aimées, ce sont des agents du diable pour vous faire du mal, pour vous éloigner de Dieu et de votre progrès. C'est pourquoi pardonnez aux gens. Alléluia. Amen. Pardonnez, frère, pardonnez. Il faut toujours pardonner. Il faut pardonner. Faites abstraction. Alléluia. Amen. Tournez la page. Amen. Et si tu vas tourner la page, tu déchires la page. Yes, alléluia. Et tu continues d'avancer. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, la Proverbe 4:23, garde ton cœur plus que toute chose. Frère, il y a des gens qui nous feront du mal. Tu regardes les mal qu'il a fait, mais comment il peut arriver à me faire ça à moi? Amen. Il fait assez mal. Si tu lis la Bible, tu regardes ce qu'on a fait à Jésus. Et je parle. Amen. Je parle. C'est pourquoi la plupart des chrétiens ont le problème de pardon. Ils sont à l'église. Hein? Amen. Pardon. Sinon, il veut pardonner le dimanche. Parce qu'il vient à l'église, il pardonne. Il va manger cette scène, il pardonne. S'il va chanter, il va prêcher, il pardonne. Alléluia. Amen. Déjà ne pardonne pas. C'est pour ça, bien aimé, quand tu vois quelqu'un pardonner, c'est qu'il connaît Dieu. Parce qu'aimer, c'est pardonner. Et pardonner, c'est aimer. Quelqu'un qui n'aime pas ne pourra pas pardonner. Mais quand vous tombez sur quelqu'un qui aime, il finira par pardonner. Il faut pardonner aux gens. Ne soyez pas esclaves des hommes. Jamais, partout, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Laissez tomber. Remettez la personne en train ici. Tu vas crier partout, tu chantes partout. Tu les maudis tous les jours. Non, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas maudire les gens et vouloir être béni. Non, frère et soeur, ça ne marchera pas. Et la preuve, si tu regardes bien, tes malédictions ne marchent pas. Parce que Dieu n'a pas donné à l'autorité à un chrétien de maudire. C'est à lui de maudire. Mais toi, tu maudis cette personne-là. Ton ex-mari, tu le maudis tous les jours. Laissez-le. Il est pauvre. Il n'est pas sauvé. La preuve, tu as trouvé notre mari. Tu es heureuse. Voilà Dieu. Tu n'as pas abandonné. Tu ne trouveras pas un mari. Laissez cette femme-là. Laissez-le. Laissez-le. Mais tu souhaites les mal tous les jours. Mais comment voulez-vous que Dieu te bénisse? Quand tu entends non, il a trouvé une autre femme, ils sont séparés. Yes! Il va voir. Il n'a encore rien vu. Et la femme de Dieu ne parle pas comme ça. Amen. Ne fonctionne pas comme ça. Non. Laissez les gens. Priez que les gens soient heureux dans leur vie. Alléluia. Amen. Il faut prier. Amen. Il faut pardonner aux gens. Ayez un cœur qui pardonne. Alléluia. Ayez un cœur qui pardonne. Parce que les gens nous feront toujours du mal. Surtout les gens qui nous sont proches. Amen. C'est pourquoi ça fait mal. Quand quelqu'un fait du mal, à la limite tu t'en fous. Mais quelqu'un est proche. Tu entends les accusations. Tu entends ce qu'il dit contre toi. Tu entends des critiques. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas spirituel, alléluia. Amen. Tu vas tomber dans la chair. Amen. Je les pardonne, mais je ne vais plus les voir. Ce n'est pas le pardon.
Ça, c'est le pardon selon l'évangile Saint-Georges. Mais je le pardonne. Et il faut être prudent. Les gens vont citer même des versets qui n'est pas la Bible. Oh, la Bible dit, elle et toi, les seuls dedans. C'est quel évangile? C'est l'évangile de Saint-Jean François. Mais puis il est content, la Bible dit, et toi c'était là. Non, frère. Tout ça pourquoi? C'est la chair qui monte. Tu fais dit, la tâche est dit, mais tu es spécial, toi. Mais toi, tu es pas n'importe qui. Mais une femme comme toi, elle ne te laissait pas faire. Non, je l'ai pardonné, mais je n'irai plus chez lui. Tu n'as pas pardonné. Parce que lorsque quelqu'un te fait du mal, alléluia, et que tu le pardonnes, ta relation doit revenir comme elle est avant. Et ça, c'est la dimension divine. C'est la dimension divine. Et tous les chrétiens n'opèrent pas cette dimension. J'ai pardonné, mais tu vas les voir. Frère, on va manger. Moi, je ne mange pas. Il se fait qu'il a mis quelque chose là-bas. Mais tu as pardonné. Tout ça, c'est vrai, pardon. Tu as pardonné. Frère, écoute, on va boire. Ah non, je ne bois pas. Parce que tout ce qu'il m'a fait là, mais je veux parler à quelqu'un. Amen. C'est Dieu qui nous protège. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas vraiment en vous. Tu peux boire un poison, ça te fait rire. C'est Dieu avec toi. Amen. 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 Un pasteur, on l'a empoisonné. Il va quelque part, il mange, il va, on l'a empoisonné. Mon esprit. Hein. Amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Un fait que t'es esprit. Amen. Les femmes ont commencé à tourner, Il va les battre, il dégage tout. Amen. Il tombe malade. Il va à l'hôpital, mais c'est dire qu'on t'a empoisonné. On ne tue pas n'importe qui. Amen. Bien aimé, tu as pardonné à quelqu'un. Tu vois que tu l'as pardonné et que cette personne t'empoisonne, ça ne marchera pas. Amen. Tu es juste. Amen. Ça ne marchera pas. Amen. Mais le problème, c'est que les chrétiens sont des faux pardons. Ah, il faut la prudence. Toi, tu peux les garder. Tu peux vraiment les protéger toi-même. Dis, Seigneur, moi, je vais mettre entre mes seigneurs. Je suis ta fille, je suis ton fils. Moi, je vais pardonner. Tout ce qu'il veut faire, ça les garde. La Bible dit toute arme est forgée contre vous. C'est ça. Tu manges, tu bois. Allez à ces standards, frère et soeur. Les standards divins, ou qui fait du mal, les gens vous voient plein de sujets. Frère, hé, toi, t'écoutes pas. Ah, mais si j'écoute, je l'ai pardonné. L'offense qu'il m'a fait là, je l'ai effacée. Parce que tu l'as pardonné, je l'ai pardonné. Le problème, on est trop charnel et moderne. Oh, il faut quand même faire attention. Moi, ce qui me choque, c'est que me demande. Vous écoutez plus les païens que la Bible. C'est choquant. Les gens qui sont des chrétiens, ils écoutent plus les païens que la Bible. Et puis les gens viennent vous voir. Ma soeur, mon frère, fais attention, ce qui t'a fait là. Il ne mangeait jamais. Frère, c'est Dieu qui les garde. Amen, 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 amen. Vous savez, certaines personnes bien-aimées, tu marches correctement avec le Seigneur. Amen. Amen. Ils contrôlent faire du mal. Ils peuvent précipiter vers la mort. Bien-aimés, sur la terre, il y a des gens qu'on ne touche pas. Amen. 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 Même si on se légiste, il se dit, oh, oh. Il t'a fait, tu as fait du mal, il t'a pardonné. Tu as fait du mal, il t'a pardonné. Tu vas mourir. Amen. Amen. Dieu va la remplacer à ta place. Amen. Il faut pardonner aux gens. Alléluia. Pas la haine, frère et soeur. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 3 à 4. C'est lui qui a de la haine pour son frère. C'est le meilleur. En fait, lorsque vous refusez de pardonner, vous souhaitez la mort de quelqu'un. Ma soeur, mon frère, quelqu'un tué a créé à son image et à sa ressemblance. Toi, tu l'aimes pas.
tu prends fou. Tu prends pour rien. En fait, tu as de dire à Dieu, mais tu as mal fait de le créer. Tu le crées à son image, à sa place, même s'il est mauvais, même si ça a offensé, t'a blessé. C'est la créature de Dieu. Amen. Tu ne dois pas abandonner. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est la créature de Dieu. Même si ça fait mal. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont des criminels. Des faits assassins. Ils n'ont pas un revolver, mais sont des assassins. Parce que la Bible dit, haïr quelqu'un, c'est comme le tuer. La Bible utilise bien les mots meurtrier. Afin de la haine pour quelqu'un, tu es meurtrier. Afin que tu souhaites le supprimer. Alléluia. Amen. 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 Tu aimais même entendre qu'il est mort, frère Gondon. Mais sans souvenir que toi aussi tu es mortel. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons bannir la haine, frère. Amen. Alléluia. Il faut enlever la haine de cœur. Si vous haïssez pas les gens, tu ne serais pas au niveau que tu es. Parce que ce n'est pas possible que Dieu t'élève. Dieu te fait prospérer avec la haine de cœur. La haine est du diable. Alléluia. La haine est du diable. Lisez votre Bible. Adam est en péché. Amen. Dieu les a pardonnés. Dieu les a pardonnés alors qu'ils ont péché. Ils ont désobéi à Dieu. Mais au ciel, Lucifer aussi avait péché. Mais Dieu ne l'a pas pardonné. Parce que Adam et Ève ont péché contre la sainteté de Dieu. Mais Lucifer a péché contre l'autorité de Dieu. Amen. Et Dieu n'aime pas qu'on touche à son autorité. Amen. C'est pourquoi quand il a chassé, il n'a jamais pardonné. Il est venu les diables. Amen. Amen. Pardonnez aux gens. Amen. Pardonnez aux gens. Allez demander pardon. Si vous avez des gens à qui vous avez offensé, allez leur demander pardon. Humilie-toi. Alléluia. Amen. Et cette personne-là, j'ai rencontré Jésus. Je suis allé à l'église. J'ai compris que je ne vais pas vivre comme ça. Je ne vais jamais prospérer. Je vais te demander pardon. Et si vous avez des gens qui vous ont offensé, pardonnez-leur. Ne cherchez pas de prétexte. Il faut qu'il vienne s'excuser. Il ne s'est pas humilié. Il n'a pas demandé pardon. Non, pardonne-le. Vous allez voir les portes vont s'ouvrir. Même si certains démons vont vous quitter. Amen. Et si vous restez dans votre fierté, parce que toi, on ne te touche pas. Quand on te touche, on dirait qu'on a touché Dieu. Tu restes dans ton orgueil, tu ne prospéreras pas. Eh bien, ils ont voté pas sa côté. C'est pourquoi il faut de l'humilité. Alléluia. Amen. Pour servir Dieu, pour marcher avec le Seigneur, il faut de l'humilité, de la simplicité. Amen. Et Dieu aime cela. Amen. C'est pourquoi il élève les hommes, il rabaisse les orgueilleux. Amen. Et toi, dans ton cœur, tu es trop orgueilleux. Tu es trop orgueilleux. Tu ne parles pas aux gens. Tu ne salis pas les gens. Même si l'église, il y a des gens, tu ne donnes pas leur main. Tu ne donnes pas ta main à ces gens-là. Tu ne les parles pas. Fais les seuls entre nous. Ils ont tué qui? Même les gens qui ont tué, après 20 ans de prison, remis ses peines, liberté provisoire, ils sortent. Comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois jamais? Et haïr les prochains que tu vois. Les gens sont hypocrites, frères et sœurs. Pour prouver que tu aimes ton projet, commence à aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Et si tu aimes ton projet, c'est un indicateur que tu aimes Dieu. Comment tu peux aimer, frères et sœurs, Dieu que tu ne vois jamais? Mais les prochains que tu vois, que Dieu a créé son image, tu l'aimes pas. L'indicateur que nous aimons Dieu, parce que nous aimons nos frères. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas les frères, frères et sœurs, ne vous voilez pas la face. J'ai compris des choses. Il peut rester les morts, prier pour les malades, parler en langue. S'il n'aime pas son projet, il n'aime pas Dieu. S'il n'aime pas Dieu, parce qu'il n'est pas connu Dieu. Amen. Et Dieu ne les connaît pas. Amen. C'est Dieu. Amen. Et les gens sont comme ça. Amen. Si
tu aimes Dieu, tu aimeras ton prochain. Parce que c'est les deux commandements qui sont semblables. Ils ont posé la question au Seigneur des disciples. Quel est le plus grand commandement? Ce n'est pas que tu feras des miracles. Ce n'est pas que tu vas parler en langue. Tu seras un bon chanteur, un bon pasteur. Tu aimeras ton Dieu et tout ton cœur et toute ton âme, toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 7, 12. C'est que tu ne veux pas que les gens fassent pour vous, mais ne fais pas aux autres. Frère, vivez en paix avec les gens. Alléluia. Vivez en paix avec les gens. On t'a insulté. Ça n'a pas changé. On t'a méprisé. On t'a rejeté. Mais ça n'a pas changé. Vis ta vie. Alléluia. Bien entendu, pardonne à ces personnes-là. Si les gens vous amènent des choses, ma soeur, mon frère, regarde ce qu'on a dit de toi. Tu prends le même message. Il va nous dire que je l'ai pardonné. Il va nous dire qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Alléluia. Il faut que les gens vous aiment de vous. Voyez que vous avez changé. Mais si vous faites comme les païens. Oh ma soeur, on a fait ceci, on a dit ceci. Parfois, ne répondez même plus. Laissez-le faire. Ah mais tu dis rien, mais je n'ai rien à dire. Je sais faire la même chose. Quand Pilate lui a posé la question, dit Jésus, on t'accuse des troubles en Israël. Que tu aies amené une nouvelle doctrine dans le pays. Jésus s'est tué. Parfois le silence, c'est la plus grande arme. Ne répondez pas à tout. Ne répondez pas à tout. Certaines personnes, ils vous provoquent parce qu'ils veulent vous faire parler. Vous savez, quand vous répondez aux accusations, les gens savent que ça vous a atteint. Et ils veulent savoir si ces accusations vous ont atteint. Mais quand tu ne réponds pas, une accusation, une offense, une critique, tu ne réponds pas. Les gens ne savent pas si ça vous a atteint. C'est pourquoi il venait voir la personne. Est-ce que tu as réellement dit que je l'ai insulté, qu'il est con? Oui, je l'ai dit. Il a dit quoi? Il a rien dit. Est-ce que tu es sûr vraiment que tu l'as dit ça? Oui, je l'ai dit ça. Est-ce que tu l'as dit qu'il ne dépasse même pas mon genou? Oui, je l'ai dit ça. Il a dit quoi? Il a rien dit. Vous allez voir la personne va s'éteindre. Amen. Amen. Et si vous commencez à répondre, Jésus n'a pas répondu. Alors qu'il faisait face à la mort, il pouvait se défendre. Il n'a pas répondu. Même Pilate était un brigueur. C'est dit, mais Jésus, moi je te parle, je te pose des questions, c'est à moi qui ne vais pas répondre. À moi, Pilate. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de déranger. Jésus a dit Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Ce qui vous bloque, frères et sœurs, c'est l'état de votre cœur. C'est tout. Moi, je suis des démons, oh non, c'est les liens de famille, c'est des réclamations. Oh, on a pris la délivrance, c'est quoi encore? Et souvent, les gens aiment écouter ça. Ah, c'est des réclamations. Toi-même, tu sais que ton cœur est plein de rancune de ces réclamations. C'est les liens des familles. Ah, c'est la sorcellerie dans ta famille. Et j'aime ça. On lui regarde la parole de Dieu. Mais si un jour tu prends la décision, tu es conscient, tu dis non, j'ai trop d'ennemis dans le cœur. Ces gens-là, ce soir, je les libérer. Je laisse vivre leur vie et je ferai ma vie. Amen. Je vois les choses en sourire. Amen. Mais j'aime ça. Il faut délivrance, il faut délivrance. Mais comment je vais te délivrer avec des fardeaux dans le cœur? Comment je vais te délivrer? Comment je vais percer? Alors que
Mais Jésus lui-même a dit, si tu es debout dans la prière, alléluia. Amen. Et que tu aimes pas avec quelqu'un, la Bible dit, arrête-toi de prier, va demander pardon et reviens prier après. Les églises sont pleines d'hypocrites. Vous voyez les gens crier, danser, chanter. Alléluia. Amen. C'est le fan de l'éternel à l'église. Fille d'alliance. Elle parle pas avec sa belle-mère. À l'église, fille d'alliance. Je sais pas quelle alliance. C'est grave ce qui se passe à l'église. C'est grave. Amen. À un moment donné, laissez-tu tranquille. Amen, amen. C'est vrai. Amen. Amen. Faut un homme, une femme. C'est le femme de l'église, il tient connaître l'église. Amen. Elle parle pas avec sa belle-fille. Amen. Je me pose la question, quelqu'un vous a dit. Vous levez les mains. En plus de ce problème, vous dites amen en plus. Amen. 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 C'est grave. Hein? Moi, autre place, je m'étais. Parce que je lui dis, non, le pasteur parle de moi. Amen. Je m'étais, moi, autre place, je m'étais. Je m'étais. Parce que je sais que nous, il parle de moi. Mais c'est vrai, quel courage que vous avez. Même le souffert n'a pas ce courage-là. Amen. Dis-moi aussi amen. Alors que ça me concerne. Amen. Fantôme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est grave, frères et sœurs. C'est grave. Amen. 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 Moi, je sors de l'église. Je prends mon téléphone, dis, viens, au pape, va te voir. Amen. Je vais libérer Amen. Ma vie. Amen. Je viens de l'église, j'écoute la parole. Amen. Je vais libérer ma vie. C'est grave, frères et sœurs. Bien, mais quand je me suis convaincu, c'est pourquoi je me pose la question, et je me pose la question, est-ce que j'ai le cœur comme tout le monde, ou mon cœur est particulier? Et moi, quand je suis ignorant, écoutez-moi, même aujourd'hui, je lis la Bible, j'écoute des messages qui me touchent, je change à l'instant. Amen. Amen. Moi, je ne cherche pas des excuses. Amen. Je venais me convertir. Et moi, j'allais dans les conseils. Je venais à l'église, je donnais le conseil. Et je me payais les conseils. Ici en France, ici. Amen. Je ne suis pas tombé du ciel. Amen. Je buvais. J'ai dansé la vie du monde. Chaque album de ces musiciens que vous connaissez, vous, que vous avez dans vos maisons encore. Moi, je venais à la bombe à la maison. À l'époque, c'était des cassettes audio. Mais un jour, je vais à l'église. Oh là là, Dieu est bon. Amen. Un pasteur vient. Il dit, ça, c'est pas possible. Ça, c'est moi. Amen. Je pense que c'est Dieu qui l'a envoyé. Amen. 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 Vous savez, quand vous écoutez la parole qui vient de Dieu, ça vous met mal à l'église. Amen. Amen. Donc, quand il prêche, il souhaite les regretter. Amen. Je dis, c'est mon ange. Je rentre chez moi à la maison. Je prends chez moi à la maison. À l'époque, j'habitais chez mon frère. Moi, je suis à la suite. Oh, Dieu va comprendre. Dieu me donnera du temps. Il faut être temps. On ne change pas tout de suite. Vous êtes comme ça. Je suis dans ma chambre. J'ai pris toutes les cassettes. Tous les albums. Alléluia. Amen. J'en parle bien emballé. Car la domaine. Je dis, je ne suis jamais. J'écoutais ces messages. Parce que c'est parce qu'elle a dit que beaucoup des chansons pas profanes que j'écoutais sont véhiculées par les démons. Amen. Quand vous écoutez ces chants-là, vous élevez les démons. C'est moi, un chrétien, élevé les démons plus jamais. J'étais dans ma chambre, mon frère vient m'appeler et dit, on fait bien, 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 bien. Mais c'est quoi ça? Mais non, c'est moi qui l'ai agité. Ah, pourquoi tu gênes la pluie? Non, je ne veux plus de ça. Oh, pourquoi tu ne vas pas donner? Ah, non, je vais la donner. Pour moi, c'est un poison. Donc, si tu le donnes, je te donne un poison. Amen. Maintenant, si tu veux, tu ramasses dans la poubelle. Et puis, ce jour-là. Et vous, les problèmes, vous venez à l'église. Alléluia. Amen. Vous êtes même pire que les caméléons. Amen.
Vous avez une vie à l'église, vous avez une autre vie à la maison. Amen. Amen. C'est pourquoi il est, vous qui êtes mariés, parfois il est difficile que vos maris se convertissent. Amen. Parce que la vie est chrétienne. On ne vit pas à l'église, on vit à la maison. Amen. Et quand ton mari voit que tu vas à l'église, oh, je vais aller à l'église, tu maquilles, tu maquilles, tu prends l'église, et puis tu vas à l'église. Moi, il dit, tu vas pas partir. Sur cette église-là, il ne vient jamais. Parce qu'il te connaît à la maison. Amen. Amen. Femme rebelle. Amen. Femme impolie. Amen. Une femme pique. Amen. Amen. Et puis dimanche, moi je pars à l'église. Et puis tu viens dimanche à l'église. Après le culte, tu rentres à la maison. Dès qu'il est dans la maison, hé, quoi qu'il a fait ça? Et viens l'église. Amen. Et là, comment cet homme va changer? Comment il va changer? Amen. Comment il va changer? Parfois, ton mari dit, hey, ma soeur, on était bien ici. Quand tu n'es pas là, on était bien. Pourquoi tu cries comme ça? Ah non, 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 moi, cette maison, j'en ai marre. Même les enfants disent, maman, on sait que maman vient d'arriver. Et à l'église, diaconis. Amen. Je parle, nous, les pasteurs, on nous insulte. On nous insulte, quand je... On nous insulte. Mais ces gens n'ont pas tout tort. Et mais comment un pasteur peut nommer ma femme diaconis avec des comportements, des caractères comme ça à l'église? Alléluia. Amen. Allons qu'à l'église. Chaque adoration est là. Et laisse-moi vous marier, ne viens pas. Et laisse-moi, ne viens pas. C'est grave, frères et sœurs. C'est grave. Changez. 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 Il faut que vos maris bénissent de votre sujet. Amen. Amen. Frère, la vraie prédication, ce n'est pas cette Bible. Amen. C'est votre vie. Amen. 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 Un jour, tu dis, on va à l'église, à moi, vos églises là, et le mec, tu pries pour lui. Il voit ton carré, ton comportement. Un jour, tu vas voir, tu te réveilles. Lui se réveille. Mais toi, l'image d'habitude, tu te lèves à 10h. On va aller à l'église aujourd'hui. Amen. 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 Ce n'est pas non, aujourd'hui on va aller à l'église. Et puis, il se lève, il vient à l'église. T'es plus d'être dans ton témoignage, non. C'est pourquoi je viens à l'église. Tu vois, parce que tu m'as prêché. J'ai vu que tu as changé. Amen. 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 Dans ta belle famille, le petit frère, les cousins, la petite soeur, laquelle est ton mari, tu parles à personne. Sœur à l'église. Frère à l'église. Quel Dieu que vous avez. Quel Dieu. Si vous allez comprendre, on va vous insulter, on va vous mépriser. Vie ta vie. Amen. Le monde était fait comme ça. Amen. 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 Même si tu achètes un petit bâtiment là. Si les gens n'étaient pas, ils n'étaient pas. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis, aimez les gens et ne vous confiez pas aux gens. Amen. Amen. Est-ce que vous pensez à l'enlèvement? Je termine là. Amen. Est-ce que vous pensez à l'enlèvement? Est-ce que vous avez les yeux de voir? Est-ce que vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans ce monde? Vous pensez que c'est un hôtel? C'est comme ça. C'est l'accomplissement des temps. Amen. 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 Ce qui se passe dans ce monde. Allez lire l'Apocalypse. Allez lire l'Apocalypse. Vous verrez tous ces vaccins-là, tout ce qu'on vous dit là. Lisez la Bible. Amen. Et vous jouez avec votre vie. Tu te donnes la santé, la vie. Dimanche matin, tu te lèves et grâce matinée. Alléluia. Amen. Comme les gens qui donnent les raisons, je ne peux pas venir à l'église, il y a le Covid. Mais avant le Covid aussi, tu te le dis. Amen. Les gens sont hypocrites. On dit la vérité que non, je me suis affaibli. Au moins, on va t'encourager, frère, ne t'affaiblis pas. Mais non, il y a la maladie. Mais avant la maladie, tu ne venais pas non plus.
Soyez sincères avec vous. Amen. Profitez bien aimé des pains que Dieu vous donne. Mais vous convertir et changer. Amen. Avec vos soins, vous sauvez votre vie. Amen. Amen. Les temps est court. Amen. La Bible dit, un Corinthiens 7, 9. Le temps est court. C'est votre vie. Si je suis venu aujourd'hui, fais le soin avec ce qui est dans ton cœur. Si je suis venu aujourd'hui, tu seras pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce soir, avec tous les fardeaux que tu as dans le cœur, ce soir, tu allais dormir. Et dès le matin, tu ne te réveilles pas. Tu es parti à longtemps, un deuil à poisson. Une jeune fille de 22 ans. J'ai vu sa mère effondrer, effondrer. Vous savez, quand quelqu'un est malade, ou vous voyez qu'il peut mourir, même votre cerveau se prépare au pire. Mais cette fille-là est partie dormir avec son fils. Elle est arrivée sur sa mère. Et à 9h, elle voit sa fille n'est pas assez réveillée. Elle se dit, non, la nuit, j'ai entendu son fils pleurer beaucoup. Quand elle s'est couchée tard. Donc, elle fait un peu grâce à la matinée. Elle va midi, sa fille ne sait pas, elle s'est fâchée, elle va dans la chambre, mais non, tu es occupé de ta fille, tu m'as dormi à midi. Et quand il bouge, quand il bouge, la personne bouge, elle commence à crier, elle appelle les pompiers, quand les pompiers viennent, elle est morte la nuit. Dans ces cas-là, ma soeur, entre nous, tu vas faire comment les vendus? Avec tous les étrangers que vous écoutez, tous les messages que vous écoutez, vous allez faire comment? Amen. Après, on va t'amener à l'église catholique. Après, il faut faire messe des réguliers. Alléluia. Amen. Frère, écoutez-moi, je t'aime. Ne pensez pas être près de Dieu au ciel. Si sur la terre, tu es loin de lui. Amen. 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 C'est ça le problème des gens. Sur la terre, tu es loin de lui. Mais quand tu meurs, on te dit que tu es près de lui. On te ment. Amen. Amen. Ma Bible dit, cherchez l'éternel avec ses tous. Amen. 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 Allez, pardonne aux gens. Prends courage. Prends ton téléphone. Allez, pardonne aux gens. Je connaissais un frère. Il est mort personnel. J'ai prêché comme j'ai prêché dimanche-là. Il s'est confié tellement à moi. Et je savais qu'il avait 3-4 mois à vivre. Il m'a dit toute la vérité. Un dimanche après le culte, j'appelle à 19h et ça sonne, elle ne décroche pas. J'appelle à 20h, elle ne décroche pas. J'appelle à 20h, même je commence à m'appeler. Mais certainement, parce que sa santé n'était pas bon. Mais peut-être quelque chose m'arrive. À 23h, je l'appelle, elle décroche. Il décroche. Je dis, mais tu m'as fait peur. Ça fait depuis 20h que j'appelle. Il dit, pasteur, tu ne peux pas comprendre ton message sur le pardon, c'est que ça m'a fait. Ça m'a profondément touché. Donc après les cultes, j'ai fait tous les tours de l'île de France. Je demandais pardon à tout ce que moi j'ai fait de mal. Voilà pourquoi je suis rentré très tard. Donc quand tu m'appelais, je ne peux pas négocier. Je demandais pardon à tous les gens avec qui j'avais des problèmes. Je me suis dépassé personnellement parce que ce message m'a tellement touché. Une semaine après les morts. Le problème, vous pensez que votre vie vous appartient. C'est ça votre rêve. Vous pensez que votre vie vous appartient. Et votre vie ne vous appartient pas. Amen. Il y a quelqu'un qui est l'auteur de votre vie. Amen. Il est le patron de votre Amen. Vie. Que ce cas, il décide. On priera comme vous. On jeûnera comme vous. C'est terminé. Ce que vous oubliez, frère et soeur, qu'il y a un horloge. Il y a un temps destiné pour ta vie sur la terre. Si ce temps-là arrive, on priera comme vous. Profitez du temps que Dieu vous donne. Si vous savez que vous avez des gens avec qui il y a la mésentente, allez les voir. Si ça n'est pas que les droits, dis-moi, c'est le conseil, on se pardonne. On oublie le passé. S'il y a des gens que tu ne peux pas pardonner, ou tu as juré, il m'a critiqué, c'est bon, il m'a fait c'est bon. Mais ce qu'il m'a fait là, jamais je vais pardonner. N'allez pas à l'enfer, frère. Ne donnez pas l'occasion au diable de t'amener à l'enfer. Amen.
défier les diables. Ah bon, humilie-toi. Enlève ton orgueil. Alléluia. Comment la personne y fait, on fait la paix. Tu as gagné quoi? Moi j'ai gagné quoi? Rien. On va se battre jusqu'où? On va se battre jusqu'où? Tout le pays est au courant que toi et elle vous parlez pas. Et tu es l'enfant de Dieu, non? Dans toute la famille, les gens sont au courant qu'ils vous parlez pas. Quand il y a une fête, quand il y a un problème, la première question, qui tu as invité? Ouais, un tel, je ne viendrai pas. Dès que tu entends que l'autre sera là, tu ne viens pas. Et si tu pars, si tu vois l'autre, tu te mets debout, tu t'en vas. Il y a pas eu mort d'or. Alléluia. Amen. On m'a prié pour vous. Et ce message vous sauve. Amen. Et ça vous guérit, ça vous délivre. Amen. En fait, que vous puissiez commencer à vivre les meilleurs de Dieu. Parce que beaucoup d'entre vous aussi, vous avez des grâces, des potentiels. Dieu vous fait prospérer. Amen. Mais les manques de pardon vous bloquent. Amen. Les rancunes dans le cœur vous bloquent. La vengeance. Alors que c'est ta cousine, c'est ton frère, c'est ta soeur. Commandez les diables, mais pas vos frères. Amen. Alléluia. Amen. Commandez les diables, pas vos frères et soeurs. Pas vos frères et soeurs. Commandez notre ennemi de l'aimer. Ta soeur, ce n'est pas ton ennemi. Amen. Et notre ennemi, comme c'est les diables. Amen. Dieu nous donne la permission de les combattre. Oui, Dieu nous donne la permission de combattre les diables. Mais toi, ton problème, tu ne combats pas les diables, tu combats les frères. Mais les diables, tu laisses tranquille. Alors je vais combattre les diables. Il y a certaines personnes qui vous font du mal. Alléluia. Amen. Il ne faut pas voir les gens. Amen. Voyez les diables derrière. Amen. Les problèmes, vous voyez ces gens-là. Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a rabaissé, il m'a méprisé. Voyez les diables derrière. Amen. Un jour, Jésus parle à ses disciples. Il dit à ses disciples, mon temps arrive, il faut que je m'en vais. Pierre vient le voir. Il a dit, Seigneur, moi, je n'accepte pas que tu m'enlèves. Je n'accepte pas que tu as soin. Jésus ne voit pas bien. Il voit les diables. Il n'y a rien devant Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est les pensées des hommes. Jésus a vu derrière les paroles de Pierre que c'est Satan qui parle au travers de lui. En fait, moi, tu m'as envoyé pour mourir sur lui. Et toi, tu ne fais pas. Je suis venu pour sauver l'humanité. Et toi, tu ne fais pas que j'aille sur la croix. Je ne fais pas sur quoi. Il m'a dit, ça ne s'est pas sauvé. Jésus a vu dans les pensées, dans les paroles de Pierre, Satan. Il a dit, arrêtez-moi Satan. Il n'a pas dit, arrêtez-moi Pierre. Mais votre problème, vous ne voyez pas les diables. Cette soeur-là m'a fait ça. Ma belle-mère, mon beau-père, ces frères-là, le pasteur m'a fait ça. Voyez les diables. Parce que beaucoup de gens sont infiltrés par des démons. Amen. Vous vous demandez. Vous ne verrez pas les diables, vous ne verrez pas les démons. Il y a des gens qui sont infiltrés par les démons. Et ils viennent à côté de vous. Tu vois, ils tourmentent ta vie. Amen. Amen. Ma soeur, je t'ai fait quoi? Tu m'as rien fait, mais je t'aime pas. Vous comprenez que c'est le diable qui est derrière. Amen. Alléluia. Amen. Aïe la personne, liez ces démons-là. Amen. Quand les démons vont partir, tu vas voir des jours où la demain, la personne change. Mais je change. Je pose quelque chose. Mais pourquoi je m'ai haïssé? Je ne sais pas. Mais parce que le diable est derrière. Amen. 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 Vous voyez tous, frère, ma soeur, au moins que tu es un enfant du diable. Mais si tu es un enfant de Dieu, le combat des diables, des combats. Et tu ne feras pas les diables. Il passera par ton mari. Il passera par tes enfants. Il passera par tes amis. Par ton père, ta mère. Alléluia. Ils passeront par ces gens pour te combattre. Et toi, tu es ignorant et aveugle. Tu te charges sur ton mari. Tu te charges sur ta femme. Sur tes enfants. Sur tes amis. Alors que la personne pour combattre, hein, c'est les diables. Et juste à comprendre cela, tu commences à combattre les diables. Tu vas être petit et tu commences à changer. À changer. Parce que le diable n'est pas la prière, il ne finit pas la chance. Mais aussi longtemps tu oublies les diables. Et le diable aime cela. C'est pourquoi il injecte dans l'esprit. Beaucoup de gens dans ce monde ne croient pas que le diable existe. Et il aime que les gens ne puissent pas croire qu'il existe. Et toi, tu ne t'occupes pas du diable. Laissez marier comme ça. Ma femme est comme ça. Il est prié. Ah, bébé, écoute, bagarrez-vous. Maintenant, moi, je fais mes affaires. Mais je te vas comprendre, non? C'est tout le père comme ça. Tu commences à prier, à chiner, à chasser des mots. Tu vas toujours leur échange. Amen. Amen. Si mon frère Saint, tu vas vivre avec les fardeaux. Tu vas mourir avec ces fardeaux.
des jours d'amour. Et qui aime, ah, je n'irai pas. Et aime, ah, je n'irai pas. Parce que la Bible dit, un chrétien qui meurt, ses œuvres le suivent. Amen. Quels sont les œuvres qui vont te suivre? J'ai un problème là, un problème là-bas, un problème là-bas. En plus, il y en a, c'est des problèmes qui viennent vers eux. Toi, tu crées même des problèmes. Quels sont les œuvres qui vont te suivre? Quelles sont les œuvres? Si vous voyez certaines personnes, bien aimées, ils meurent, ils se sont contents. Vous ne sentez pas la tristesse dans le cœur des gens. Mais parce que c'est quelqu'un en problème. Et les problèmes quand il y a l'église, j'écoute la parole. Que Dieu vous sauve. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Allez, bénissez. Vous êtes bénis ce matin. Richement bénis ce matin. Amen. Passez un bon dimanche. Et bon après-midi dans la grâce de Dieu qui vous bénisse. Allez, la paix du Seigneur. Amen. L'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange.